مودست النهارده عمل حوار مهم جدا، حوار لطيف، حوار جميل، وهو شخصيه تبدو انه شخصيه طيبه ظريفه كده. عمل حوار مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، تعالوا نشوفه ونرجع نكمل. Cette opportunité, j'ai eu des autres opportunités de la Turquie. C'est vrai que j'aurais voulu rester en Allemagne parce que j'ai ma famille qui est en Allemagne et on se sent bien. Mais quand il y a eu l'opportunité de rejoindre ce club de Al Ahly, j'étais comme un enfant et je voulais absolument rejoindre ce club. J'ai juste posé la question à des amis s'ils connaissaient l'Égypte. Et ils m'ont dit oui, c'est très bien, il faut y aller. Je suis allé en vacances parce que moi je ne connaissais pas l'Égypte, je ne suis jamais allé. Mais maintenant que je suis ici, je vais profiter de ce fabuleux pays. Quand j'ai demandé à plusieurs amis, il y en a qui m'ont parlé de l'Égypte, il y en a qui m'ont parlé du club de Al Ahly. Et c'est tout de suite les yeux avec des cœurs dans les yeux. Ouais, qui m'a demandé si j'étais intéressé pour venir ici et que j'allais avoir beaucoup de plaisir. Et que j'allais marquer beaucoup de buts parce que c'est une équipe qui est offensive et qui a beaucoup d'opportunités pour marquer des buts. Faire autant bien que l'année dernière, parce que l'année dernière ils ont tout gagné et cette année on va essayer de faire la même chose et je suis là pour contribuer à cette histoire. Non, c'est vrai que même s'il n'y avait pas eu ça, je savais que j'aurais voulu venir ici parce que c'est un club avec une grande histoire. On dit souvent en Europe que c'est... C'est le club après le Real de Madrid, c'est le Real Madrid africain. Et c'est vrai que c'est un pur bonheur pour moi d'être ici. Oui, j'ai vu des matchs et j'ai vu la ferveur et la passion des supporters qui me rappellent mon passage à Cologne. Et j'espère avoir le même succès. Je suis toujours prêt. Quand tu es joueur professionnel, tu as envie de découdre dans tous ces défis, tu as envie de battre toutes les équipes. Et puis quand tu viens dans un club comme Al Ahly, il n'y a qu'une chose, c'est gagner des matchs. On va dire Cologne, parce que Cologne, c'est là où j'ai eu le plus de succès, c'est là où j'ai passé le plus de temps, et c'est là où j'ai eu les meilleurs souvenirs. Et donc maintenant, à moi de créer ma propre histoire avec Al Ahly. Alors mon joueur préféré quand j'étais jeune, c'était Didier Drogba. Et maintenant, je pense que ce qui se fait de mieux, c'est Kylian Mbappé. Non, c'est vrai que c'est un football attractif, populaire. Et je suis content d'être ici parce que je sais qu'il y a des fans qui sont extraordinaires, qui donnent beaucoup d'amour à ces joueurs. Donc maintenant, après, ce sera à nous de la rendre de la meilleure des façons sur le terrain. Je suis content parce que moi aussi, je n'accepte pas la défaite. Et puis quand tu viens dans un club comme ça, tu sais qu'il n'y a que les victoires qui comptent. Et ils peuvent être sûrs d'une seule chose, c'est que je vais tout donner pour ce maillot et être le plus performant possible. Ouais, mon fils aime le football. Il a toujours un ballon dans les pieds. Mais comme je l'ai déjà dit, que ce soit le foot ou un autre sport, le plus important, c'est qu'il trouve sa voie et qu'il ait le plaisir à le faire. Ouais, mon papa était aussi ancien footballeur professionnel, il a joué à Saint-Etienne. Bon, malheureusement, maintenant, il est parti, il n'est plus là. Mais je pense qu'il est content de me voir de en haut, parce que de me voir dans un club pareil, avec beaucoup de trophées comme ça, c'est une fierté pour lui. Oui, ma famille pour l'instant va rester en Allemagne. Après on va voir, j'espère qu'ils vont pouvoir me rejoindre parce que c'est vrai que dans la vie, c'est la santé et la famille, c'est les choses les plus importantes de la vie. Non, c'est vrai que Roberto Firmino, on a joué ensemble quand on était à Hoffenheim et c'est un super joueur, un super footballeur avec beaucoup de talent. Et c'est vrai qu'on a une bonne relation. Oui, Jude Bellingham, je pense que ça va être un futur grand s'il continue sa route. Tu ne vas pas au Real de Madrid si tu n'as pas d'énormes qualités, ça c'est clair. Et je pense que ça va être sûrement un des futurs ballons d'or parce qu'il a la qualité pour. Salut les supporters, c'est Anthony Modeste. Je suis très heureux, très fier d'être ici et de représenter ce maillot qui me vaut cher et je vais essayer d'avoir le plus de succès possible.